Adieu les limousines avec chauffeur et bonjour le tracteur. Oubliez les 5 étoiles somptueux. 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et privilèges pour vivre dans une ferme pendant 10 semaines où chacun doit tenir le plus longtemps possible car c'est pour la bonne cause. Leur sort, il est entre vos mains. Avec Élodie Gossuin, Hilario Calvo, Eva Kovalevska, Mousse Diouf, Mia Fry, Sébastien Mourat, Daniel Gilbert, Vincent McDoum, Evangélie, Maxime, Ticia, Pascal Olmeta, Céline Balitran, Massimo Gardia. C'est sûr, ça les change. Bien, et bien là, je n'ai qu'à dire un truc. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Il fait une chaleur. Bonjour, il fait chaud. Ah bah oui, c'est la canicule qui commence. Et bonjour Patrice. Et bonjour Christophe. Alors, mercredi aujourd'hui, et exceptionnellement, là, il faut quand même qu'on soit un peu sérieux 2 secondes, et en raison du départ de Vincent et de Pascal pour le match de Marseille, allez l'OM à Göteborg, eh bien, il n'y aura pas de nomination. Les nominations auront lieu demain. Ah oui, pas de nomination, pas de sobriété, pas d'efficacité, pas de dignité, pas de déguisement non plus. Pas de déguisement ? Pas de déguisement. Bon, ben voilà, je dis pas de chapeau. Oh. Oh. Alors, aujourd'hui, il y a un truc un peu particulier aussi, Patrice, parce que les téléspectateurs, maintenant, ont la maturité nécessaire pour éventuellement découvrir ce qui va se passer sans qu'on leur dise. Ah oui, donc on n'est pas obligé de leur dire ce qui se passe, on n'est pas obligé, par exemple, de dire que le réveil se passe de bonne humeur, on ne leur dit pas. Non, on ne leur dit pas non plus que Daniel, par exemple, avec Vincent, on ne leur dit pas. Non, ça, c'est pas la peine. Et qu'il n'a rien de fait rien, qu'il bronze toute la journée, c'est pas la peine. Ils vont le voir, de toute façon. Oui, c'est pas la peine. Et même le lever de soleil sur visant. Qui est beau. Et qui est très beau. Qui est beau. Mais ça, on ne le dit pas. C'est dans les images. C'est ridicule. Tout de suite. À 2h du mat, je me suis réveillée. Tout était éteint, j'avais jamais vu. Et j'ai pu voir le ciel, mais alors il doit faire un beau soleil aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas un nuage. Le ciel était étoilé. Des super étoiles. J'aurais au moins vu ça si jamais je pars vendredi. J'aurais au moins vu ça. J'aime pas quand les gens ils programment des trucs et tout. Oh, mais si ça, ça m'arrive, si. C'est chiant. Comment tu peux dire ça alors que, je veux dire, même si t'es nominée, tu savais quel score t'es resté ici, quoi. Au début ? Ouais. Ouais, mais c'est toujours pareil, si je tombe contre tu sais quelle personne, non. Mon score, il va pas être... Non. C'est parce que j'étais face à Ticia, tu vois. Non. Mais face à certaines personnes, bon, certaines, quoi, et ben, à mon avis, c'est pas pareil. Oh putain. Oh lolo. Non, je vais de faire des efforts. Tant que si on n'arrive pas à faire assez. Debout. Il est l'heure de se réveiller. Bon, les bons, je suis fracassé. J'ai pas pour dire. On se réveille. On se réveille. Ah putain, vous là, hein. Faut qu'on parte, hein, vraiment. Ça, je vais sortir de là, moi, complètement. Sinon, on va marcher dans la rue. Mais oui. Une baguette de pain. Et un croissant. Et un pain au chocolat. Et la moule de nez.
Ça se passe bien? Déjà ce matin? Tu es en forme, ça veut dire. Ça, c'est une bonne signe. Ça, c'est une bonne signe. Je voulais te donner un coup de main. Je ne t'ai pas demandé un douche de lait. Ça, je fais à poil, mais pas avec des vêtements très chers. À poil? Excusez-moi, on ne douche pas avec des vêtements. Ce que j'aime bien de chez Vincent, c'est qu'il prend tout à la rigolade et... Ce mec, c'est pas pour autant, et c'est surtout quand il émet son cri. Ça me fait beaucoup rire, et comme j'ai dit, il se prend pas la tête, il rigole toujours. Tu veux qu'on sorte toute la paille? Oui. Donc, je sors les... Avec le râteau, hein. Oui, enfin, j'ai apporté... Je dois avoir la fourche par là. Tiens, tu sors les dernières, comme ça, moi, je finis les crottes. Non, je vais sortir l'eau. Tu sors l'eau, faut la changer. Daniel, tu veux avec un coup de main? Avec les bouches de vache ou avec le lait? Pardon? Tu veux un coup de main? Hein? Je veux bien que tu me fasses un thé, Vincent. Ben ça, c'est, ça sera fait. Comment? Ça sera fait. Le fait qu'elle refuse mon aide, c'est... moi je trouve ça très blessant, ça me blesse parce que quand j'ai besoin de son aide, moi je lui demande et la seule chose qui est le plus blessant aussi, c'est le fait que je le offre sincèrement et j'ai l'impression qu'elle est en train de me dire non parce qu'elle est face caméra et c'est un peu dommage. Personne t'a demandé de faire tout, hein, Daniel. Bah, excusez-moi, ce que je programme, même, c'est je te demande de l'aide, si tu veux l'aide. Aider. Parce que j'ai demandé oui. Ce matin, je t'ai moi dit je oui, demandé. Mais je veux pas t'embêter écoute, non plus. Non, Daniel, tu fais écoute, de il choses. Faut arrêter aussi. Hein. Oh là là, quelle pitoudière ici. Ben non, pas du tout. Pas du tout, c'est toi qui as commencé. Mais quoi, non, j'ai rien commencé. Oh, arrêtez. Tu vois. Je me tiens à l'écart. C'est pas la peine de le faire les choses et après dit je fais tout. C'est faux. Mais j'ai pas dit que... Mais attends, je reçois ton aide avec... Mais je l'ai toujours donné. C'est pour mais ça que je suis bien contente, mais... Amicalement. C'est mais... tout simplement ça. Là, comme ça. Ça va ou quoi, Jean-Philippe? Bonjour. Je vous présente Olivier. Ah, bonjour, Olivier. C'est un ferronnier. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ouh là 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 là. Ça sent le travail, là. Bonjour. Olivier, donc, il est ferronnier, c'est son métier. Bonjour. Il est ferronnier. Ferronnier. Ah. C'est comme ça qu'on dit. Il fait les chemins de fer. Non, il fait les trains, il fait les voies et tout, les gars. Tu vois qu'Hilario, il comprend tout, Hilario, au quart de tour. Moi, tu vois, j'ai... Les autres sont là, non? Normalement, oui, tout le monde est dans... Il y a Sébastien qui est à l'intérieur. Donc voilà, aujourd'hui, il est venu pour vous faire un objet. C'est une girouette qu'on installera après sur un endroit de la ferme. C'est quoi une girouette? Pour les directions du vent. Pour le vent, la direction du vent. Ouais. Ah oui, d'accord. Direction du vent. On ne peut pas mettre un drapeau, tout simplement. Il t'a donné à peu près la taille ou t'avais carte blanche? Voilà. Après, je vais lui faire une belle crête. En plus, il pose pour toi, t'as de la chance. Faut que ce soit stylisé parce qu'après, ça va être découpé. C'est bien, Dan. C'est bien, je suis pas sûre. Si, c'est bien. J'aurais pas fait mieux. On essaye de former une pointe juste au bout. Dans cette conception-là, on n'essaye pas de faire un arrondi, on essaye de faire une pyramide, c'est plus facile. Une pyramide? Oui, carrément. Enfin, ouais, 4 faces carrées.
Tu veux le faire, celui-là? Attends, je te dis. 3 cm celui-là. Non, vas-y, je te dirai maintenant. Non. Oula. Mets ton genou là. Il ne tient pas? Il tient pas? Mets-toi en bas. Mets-toi en bas. Mets-toi en bas. En dessous, en dessous. Sans forcer. Force. Fais-toi une ligne imaginaire, c'est que tu vas te dire. Regarde. C'est quoi ton parfum? J'en ai pas mis. Ben, tu sens bon quand même. Je me sens ni un bricoleur ni rien. Alors moi, le manuel, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Non, mais j'essaie un peu d'apprendre petit à petit, mais je suis loin d'être un bricoleur, moi. Alors là, pas du tout. Mais par contre, ça m'intéresse. Et puis, c'est vrai que par moments, je me suis un peu allongé pour voir un peu les autres travailler, mais je me sens pas un bricoleur. Mais c'est très intéressant de voir ce travail-là. C'est beau. C'est très, très beau. Tu bosses bien, Jean-Philippe. Hein. Ouais, Jean-Philippe, il est pas mal. Ouais. Ah, pas mal, hein. C'est une forme de découpe. Un radiateur d'époque. Il risque rien, je crois. Je sais pas s'il va rentrer. Ah, ouais. Ah, mais j'ai tout vu. Oui, il y avait la girouette, hein. Bah dis donc, et ouais. Il se passe des trucs, cela dit, à la ferme. C'est le vent qui l'a fait tourner. Pardon ? C'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent qui l'a fait tourner. Ouais, ouais, c'est vrai. À propos des téléspectateurs dont on parlait tout à l'heure, Patrice, oui. C'est pas la peine qu'on leur dise non plus l'essentiel, quoi. Non. C'est-à-dire que le cours de cheval ? Bon, non. Bah, regarde, à propos de cheval, regarde, il y a Mini qui est juste en train de mater, oui, ça bah, l'intéresse à mort. Il y a que les chevaux que ça intéresse. Bah, parce que, par exemple, Daniel, par exemple. Qui est pas doué pour l'équitation ? Non, elle est pas douée. C'est pas la peine de le dire. Non, surtout qu'en plus, il y a Mini qui est en train de regarder. Donc, tu vois, je veux dire. Elle attend les trucs sur l'équitation, Mini. Elle est là, on lui a dit qu'il y avait des sujets. Il y a cheval, bon, alors, évidemment, s'il y a des téléspectateurs chevaux, ils vont regarder. C'est pas facile à dire en même temps. Mais enfin, bon, c'est pas la peine de dire non plus qu'on va retrouver Élodie, Eve et Sébastien qui parient déjà sur le résultat d'une éventuelle nomination. On va pas leur dire. Elles réfléchissent comme ça. Ouais. Font des... bon, et même à la limite, tu vois, moi je dirais même pas fait péter les images. Non, parce qu'elles vont venir, elles vont venir. Non, je dis pas. Bah. Si je suis régisseur, je vais te dire un truc. Oui, ça va être funky time. Ça va être funky time. Bah, grave que j'ai terminé. Franchement, cette fois-là, je vous dis, cette semaine-là, ça va être très, 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 très serré parce qu'à mon avis, on est tous. Enfin, tous. Il y en a au moins 3-4. Au moins 4 qui sont potentiels. Qui sont à 3 voix. Voilà, qui sont à 3 voix. Moi, je sais que j'y suis. Toi, peut-être qu'il y est. Ah, moi, j'y suis sûr. Vincent il y est. De quoi ? Moi, je sais que j'y suis. Hein. De toute façon, moi aussi. Dans les 3 voix, je sais que j'y suis. Mathématiquement, avec 3 voix, quand on n'est plus que 7, on est sur la sellette. Alors, je pense qu'on sera plusieurs égalités. Et je pense que... Ève ayant sauvé Daniel ayant sauvé Ève, je pense que si je suis en ballotage avec Ève, bah c'est moi qui serai nominé, mais ça c'est pas grave. Il y a un truc qui est énorme. Il y a un truc qui est énorme, c'est que maintenant, quoi qu'il arrive, je suis heureux, quoi, tu vois. Quoi, oh putain! Ah, t'as vu ça? Oh merde, j'en ai mis un peu trop là. Ève, tu veux que je te mette de la crème? J'en ai trop mis. Viens, on va se mettre à la queue leu leu. Dans le sens des
Ma devise, je ne me prends plus la tête. J'aimerais bien être entouré que des hommes que toi, que des hommes de, comme toi, Pascal. J'aimerais bien que ce monde soit peuplé des hommes comme toi. Mais de toute façon, aucun d'eux va prendre ta place dans mon cœur. Mais il manque des bonnes hommes comme toi. Vraiment. Le cet monde dans lequel on vit sera beaucoup plus cool. J'espère vraiment que des hommes comme toi existent. D'autres. Ouais, salut, il y en a. Hmm? Il y en a beaucoup, hein. Ah ben, j'aimerais bien le connaître d'autres. Et j'aimerais bien que des garçons comme moi ont plus des hommes comme toi dans leur vie. Parce que ça leur donnera beaucoup plus confiance en eux. Beaucoup plus. Et ils me disent tout le temps, Pascal, tu vaux beaucoup plus, tu vaux, toi à toi tout seul, tu vaux beaucoup plus que beaucoup de gens ici. Et ça fait du bien. Pascal trouve le mot juste et il trouve le mot. Et il trouve le mot à le bon moment. Et c'est quelque chose que... Ce genre de relation que j'ai jamais eu avec un homme auparavant. J'ai amené un cavalier pour vous donner un vrai cours d'équitation. Il est là pour bien vous montrer le comportement du cheval, si tu veux, et tu vas voir. Moi, j'ai un peu peur des chevaux. Mais la peur, en fait, ça se passe mal quand on le fait mal, souvent. Quand on le fait mal, l'approche du cheval, ouais. Quand ça se passe mal. C'est pour ça que ça, on va le voir, ça, l'approche du cheval. Il y a plein de comportements. La position des oreilles, la façon qu'il te regarde, ouais. Les naseaux qui bougent, s'il mâche ou pas. Il y a plein de trucs, en fait. Les naseaux qui bougent, ça veut dire quoi? Les oreilles qui bougent, si elles sont en avant, c'est qu'il est attentif. Si elles sont en arrière... L'arrière, c'est qu'il se met en colère. Ça dépend. Un cheval, tu peux être dessus. S'il a les oreilles en arrière pas plaquées, c'est qu'il t'écoute, il est vachement attentif à ce que tu lui racontes et tout ça. Parce qu'ils le font beaucoup, ça. Les naseaux, quand ils bougent la bouche et tout ça, c'est qu'il a compris. Là, il se détend, le cheval. Par exemple, un comportement bah ça comme va. Ça, tu peux y aller, il n'y a aucun problème. Le cheval, c'est peu de nature, parce que la seule défense dans la nature, c'est la fuite ou taper avec l'arrière-train. Voilà. Mais c'est parce que le cheval, c'est peureux. Mais donc, tant qu'il te sent et tout ça, il n'y a pas de problème. Si c'est outillé et tout ça, il n'y a pas de problème. Là, ça va, il te fait pas peur, le cheval. Non, comme ça va. C'est après monter dessus et tout. Oui, moi, c'est ça. Je me sens pas en super sécurité, quoi. Oh. Ben, on peut le sceller, hein. Ouais. Allez, Seb. Allez, Seb. Voilà. Je le mets à gauche. Il met la selle. Que salut, Pompon. Voilà, ça, c'est bien. Ça, tu vois, de lui montrer. Tu lui poses la main. On est là. On va s'occuper un peu de toi. On va un peu t'emmerder. Mon gros garçon. Donc, alors, ça, c'est l'avant. Ouais. Pour pas lui faire de mal. Tu lui poses tout dessus. Je mets tout sur de ce côté-là. Le blanc apprend vite. Hop. Avec ça. Je pose ça là. Voilà. Tu peux tout faire tomber, ouais, c'est bon. Je fais tout tomber de l'autre côté. Voilà. Je te laisse prendre. Il y en a qui veulent re-essayer ou quoi? Non, c'est bon. C'est bon? Dario. Que je le fasse? Ouais, moi j'aimerais bien que tu le fasses. Mais juste, ouais. Franchement, pourquoi? Ouais, parce que... Il est relou. Non, c'est pas pour t'embêter, c'est parce que j'aimerais bien voir comment tu fais. Tu dis que tu sais le faire, on va voir. Voilà, c'est la poignée. C'est ça, notre cravate, yes. C'est ça? Non, c'est pas ça. Non. Attends, il y a un problème là. Je suis plus le bon côté ou pas? Attends, faut que tu regardes en bas si c'est le bon côté. Ouais, c'est le bon. C'est bon, hein? Impeccable. C'est bon? Bah, extra. Je sais pas, c'est bon. Bon, bah, c'est tous le faire. Non, j'ai vraiment pas envie. Non, mais je vous le tiens, tout ça, vous inquiétez j'ai pas, ça va. J'ai vraiment pas envie. Alors attends, faut que j'attrape ça. Voilà. Et après, j'attrape ça avec cette main. Voilà. C'est le pied. Alors, mais mon pantalon glisse pas, c'est énervant. Super. Et vous collez contre lui. Et j'attrape pas avec les deux mains, non, je me tiens à la crinière. La crinière, ouais, l'autre main. Allez-y. Allez, collez-vous. Ah! Me voilà. Super.
Allez, on démarre. C'est bon, détendez-vous, regardez, c'est de la promenade. Jean-Philippe, c'est vraiment parce que tu me l'as demandé ? Je t'assure, Dano. Super. Ah, super. Cool, Raoul. T'as l'air cool, là. Ça va ou quoi ? Faut passer aux apparences. Détendez les jambes, lâchez les jambes. Voilà. Comme ça ? Ne le faites pas trop tourner fort. Voilà, on va essayer de garder un grand cercle comme ça, là. On ne rigole pas dans la foule, hein. Allez, continuez, faites-le doucement tourner vers moi. Vous avez une bonne position. Non, non, mais je fais rien d'autre. Hein. Mais j'ai pas dit qu'on allait faire plus vite. Ouais, ouais, je vous connais, vous. Ah, ah non, il a trébuché. On continue comme ça. Non, il va vite. Non, non, il marche. Regardez. Comment je fais, là? Rien. Je vais où? Comme vous voulez. Normalement, ça serait bien qu'il me suive. Voilà. Allez. Oh là là. Détendez-vous, il est super bénard. Par là. Là-bas. Bah, il veut pas. Si, il va y aller. Wow. Ah, on va faire. Ne tournez pas trop fort. Laissez-lui prendre un petit peu de l'espace. Extra. Ça va? Non. Si, ça va. Non. Je vais descendre, là. Au moment où j'étais sur le cheval, au tout début, j'ai eu peur. Puis au fur et à mesure que, quand il a commencé à marcher, bon, là, je me suis un peu détendue. On ne peut pas dire que j'étais encore hyper à l'aise, mais j'étais un peu plus décontractée. Garde-le comme ça, je le fais tourner vers moi un peu. Allez, encore un peu. Dès que t'as... Allez, pompon, allez. Pousse-le, vas-y, pousse-le, garde ta main vers moi. Pousse-le, là. Allez, pousse-le, pousse-le, pousse-le avec ta cravache. Allez, 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 allez. Pousse-le, pousse-le avec ta cravache. Pousse-le, allez. Allez, 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 pompon. Allez. Je vais le tourner vers moi. Pousse-le avec ta cravache. Allez, extra. Allez, pompon. Super. Vas-y, mon pompon. Bien, mon garçon. Allez, allez, pompon. Allez, pompon. Fais-le tourner. Maintenant, encore tourner. Arrête. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Tourne là. Tiens, reviens là. Voilà. Là, pompon. Fais-le tourner. Pompon. Garde ta reine à l'intérieur. Voilà, c'est bien. Voilà, non, par là, pompon. Fais-le tourner. Allez. Voilà. Tu redescends là ou pas, tranquille. Allez, tranquille. Vas-y, tranquille. Allez, ah, qu'est-ce que tu fais? Pompon. Allez, pompon. Arrête-le. Et tu écartes. Écarte vers moi, ta reine. À droite. Écarte vers moi. Baisse ta main. Voilà. Ne te sers pas de ta cravache pour le moment. Écarte. Fais-le tourner vers moi. Fais d'abord, première chose, tu lui redonnes la direction. D'accord. Tu le refais tourner vers moi. Il tourne vers là, pompon. Là. Allez, okay. Tu tournes. Tranquille. Reste droit. Voilà. Tu le gardes au pas. Tranquille. Fais redescendre. Voilà, tranquillement ou pas. Vas-y, pompon. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que tu. J'ai perdu la cravache. Arrête-le. Hé, hey, pompon, qu'est-ce que tu fais? À mon avis, il est fatigué, hein. Là, il commence à en avoir un peu marre. Ouais, je pense qu'il en a marre, là. Attends, il va rentrer. Arrête-le. Et pompon. Ouais, tu peux descendre, si tu veux. Mon ami, il est fatigué, là. Eh ben, c'était sympa. Hein. C'était génial. J'avais pas l'air trop godiche, moi, sur mon cheval. Non, je te dis, t'étais élégante. La première fois, t'étais plus mal à l'aise, donc t'étais pas godiche, mais t'étais un peu plus réticente, en fait. Mais pas crispée, tu vois, plus timide. Mm-hmm. Et la deuxième fois, t'étais radieuse, en plus, tu souriais. Mm-hmm. Ah non, au contraire, t'as bien aéré tes dents. Mm-hmm. Oui, oui, je fais comme les chevaux, tu sais. Comme les ânes aussi, ils aiment bien montrer leurs dents. Oui, oui, comme les ânes, voilà. Rien à dire. Non, les gens ont vu qu'elle était radieuse, par exemple. Ah, mais attends, quelqu'un qui a... Elle a aéré ses dents. Oui. Donc elle était super. Elle était c'est pareil, on va pas revenir non plus sur. Enfin, on va pas dire qu'on va revenir sur. D'habitude, on l'aurait dit. Oui, bien sûr. On aurait pu le dire. Mais voilà. Qu'on a fait à Vincent et à Pascal hier. Ah oui, quand Pascal a cru que Vincent allait tout seul aller voir le match à Göteborg. Mais dis donc, pourquoi vous avez un casque hein? Disons, j'ai pas vu comme ça cogne. Ah. Mais c'est chaud. Alors. Après, bon, c'est pas mal. Il a même pas cru qu'il était invité. Non, il a cru qu'on lui faisait une blague. Ouais. Oh putain, enfin bon, raconte pas. Dis pas. Dites-moi, cette légende de la sardine qui a bouché le port, vous savez d'où ça vient? Ah, bien sûr. Ça existe vraiment, c'était une. Enfin, une démonstration. Oui. Attendez, bougez pas. Attendez. Oui. Attends. Ah, il est ficelle. Attends. Merde, zut. Ah là, voilà. Ah, bah oui.
Elle avait bouché le porc. Mais ça, donc c'est une vérité, c'est pas une légende. Oui, mais c'est fini maintenant. Ah, c'est fini, il n'y en a plus. Il n'y a plus de sardines dans le porc. Ah, bah, bien. Très bien. Donc les Marseillais peuvent être peinards. Oui, bah alors. Ça, à propos, dis donc. Oui. Il paraît que. À 20h50. Oui. Il y a Francis Huster. Dans le grand patron. Ouais. Et ça. Ça se regarde. Enfin, comment ça, rien. Tout de suite, en tout cas, ça n'est pas la peine qu'on vous dise car les images de la connexion d'hier et de la réaction. Est-ce que vous allez le voir alors? Sardine. Débouchez le cochon. Alors, on a une surprise, on a une surprise. Peut-être d'abord, on va l'annoncer pour Vincent. Vincent, ça vous plairait d'avoir une surprise? Évidemment. Nous aussi. Bon, alors, attendez, attendez. D'abord pour Vincent. Eh bien, Vincent, demain soir, vous êtes invité par l'OM et par Fabien Barthez à assister au match Marseille-Valence à Göteborg. Bravo pour Vincent. Bravo pour Vincent. Merci. Trop génial, Vous êtes content, Pascal? Ah ben ouais, mais de toute façon, j'ai qu'une envie, c'est que l'OM gagne. Eh ouais, bah vous allez pouvoir aller assister aussi parce que vous allez accompagner Vincent. Oh, vous allez... Merci. T'es demain. Ah ouais. Vous allez accompagner Vincent, vous partez demain. Vous êtes content ou pas? Ouais. Quelle surprise. C'est la première fois pour moi un match de foot. Ah bah oui, ça m'a crié. J'ai jamais été. Merci. Mais non, on peut pas le voir le match. Non. Mais j'ai jamais été dans un match de foot. C'est vrai. Jamais dans ma vie. Tu vas voir, c'est génial. Jamais. Dégoûté, moi, non, je suis dégoûté. Ouais. Moi aussi. En plus, elle vient passer, d'accord. Vous allez être au premier dans les trucs. C'est pas grave. Hein. Ça, c'est ça, pour moi, c'est. Oh la vache. Merci. Ah, merci. Bien aimé, tu vois. Putain, j'espère que si je suis là, je vais aller voir mon écho, quoi, tu vois. Ça va être bien. Merci, Christophe. Avec l'OM. Merci, Fabien. Ça va être l'aller-retour. Ils vont prendre l'avion avec eux, quoi. Je crois pas trop. La nuit, quand même. Ouais, ouais. Je suis mais sur une nuage. Ça pour moi c'est. J'ai attendu tout mais sauf ça. Ah ouais, c'est cool ça. Ah putain, tu vas t'éclater hein. Salopard. Hein. Salopard. Ah putain. Et moi je reçois mon maillot de Valence. Regarde, je reçois mon maillot de Valence demain ou après-demain. Regarde la tête qu'il a. Regarde-le. Il va falloir que tu expliques les règles à Vincent. Voilà. Là, il va falloir que tu le mettes dans le vestiaire après. Oh, en plus, il, le voit, il va en Suède voir le match. Tu vois ce que un je veux dire? À Göteborg. À Göteborg. Tu auras Pascal qui t'expliquera, c'est sympa. Moi, j'aime... Même à la télé, je n'ai jamais Ah non, mais c'est sympa. Tu sais ce qui est sympa, même si tu n'aimes pas le foot, c'est l'ambiance. Hein. Moi, j'adore. Il y a une ambiance, c'est vraiment à voir, c'est un spectacle. Pour moi, c'est un expérience. Pour moi, c'est un expérience. Non, mais quand c'est à haut niveau. C'est un spectacle, tu vois, c'est vraiment... C'est comme un défilé de mode, hein. C'est impensable, pour moi. Ben, c'est ça qui est bien. Pour moi, c'est quelque chose d'impensable. Le fait d'être avec Vincent au match, je crois que, bon, il a dit, c'est parce que c'est un match de football, mais bon, comme moi, je suis très attentif au déroulement du jeu, j'espère qu'il ne va pas trop me poser de questions, ou alors je le mettrai à côté de quelqu'un d'autre. Dis donc, Pascal, tu sais à quelle heure vous allez partir demain? Le matin. Non. Le matin, je pense. Je sais pas. Ah, c'est pas sûr. Hein. 3h30, 4h de vol. Parce que c'est par rapport à mon planning. Demain très tôt. Demain très tôt, le matin? Ben, le 7, 8h du matin. Ah bon? Ouais. Eh ben. Donc, on n'est pas dans le planning. Vous allez avoir le D'accord, temps. D'accord, bon, ben, c'est bien. Alors, nous, on sera tous les 5. C'est cool. Je pense que vous allez rentrer dans la nuit. Moi, je pense qu'on va prendre demain matin. Non, demain matin. Voilà. Ah, mais ce qu'il y a, c'est que. Non, mais c'est pas sûr. Il faut aller à Marseille, après, il faut prendre l'avion. C'est pas sûr, parce que vu qu'il y a le temps de vol et tout ça, ils rentreront pas le lendemain matin s'ils dorment sur place. Ils seront là que le lendemain midi ou début d'après-midi. Donc, ils vont repartir tout de suite après. Machin, le vol pendant la nuit et tout ça, et arriver en pleine nuit ici. Hein. Parce que sinon, ils vont arriver en début d'après-midi, jeudi ici, c'est pas possible. On comprend. Elle te fait ton plan ou pas? J'ai bien joué, je s'énerve. Vous savez, elle Elle me fait penser à... Comment il s'appelle? Alain Decaux. Eh oui. Alors, ils partent la nuit, ils vont arriver ici le matin. Mais bon, ils vont pas partir le matin, donc ils vont arriver le midi. Et s'ils arrivent le midi, bah, les nominations, elles seront quand? Alors, vendredi. Non, mais bah, donc, là, tu t'es lancé, là, Elodie. Ah bon? Alors non. On veut
venir, on ne va pas tous faire les mêmes imitations. Il est jaloux. Bah, juste après la pub, c'est pas la peine qu'on se dise qu'on va retrouver Vincent et Pascal en direct de Göteborg. Ah oui. Où ils assistent au match quand même. OM Valence. Ouh là là, ouais. on va les appeler tout ça. Oui, et ce n'est pas la peine de dire non plus qu'on ira à Visan pour faire le point sur la journée à la ferme. Oui. Et en altérision, si, si. Francesca. Comment Aïe, Francis Uster. Francis. Esta tarde, en altérision. Francisco Uster. Francisco Uster. Ah, en el gran patrón. El gran patrón, Terf 1. Ah, oh, Canale 1. Sí. Canale 1. Oh, altérision. Bueno. C'était trop top, ces pubs. Vas-y. Alors, voilà. Si vous souhaitez... Non, si vous ne souhaitez pas, ceux qui ne souhaitent pas poser des questions aux célébrités de la ferme, eh ben c'est très simple. Vous n'appelez pas le 0826 825 001. Et ceux qui veulent, eh ben, ce n'est pas la peine qu'on leur dise d'appeler le 06 825 001. Répète. 0826 825 001. C'est tout, c'est simple. Donc voilà, on vous dit pas ça. C'est facile. Et on ne vous dit pas de poser des questions malignes non plus. Non, parce que c'est pour le big show de vendredi, ça. Donc voilà. Alors on vous dit pas non plus que le soir se couche sur la ferme les célébrités. Ah oui, donc ça c'est pas la peine, mais ils sont toujours dessus bonne humeur, ça on le dit pas non plus. Ils vont le voir, ils vont le voir. On leur dit pas, vous savez Patrice, qu'ils ont essayé un nouveau truc à Visan et que ça détend finalement tout le monde, on leur dit pas. Un truc qui détend tout le monde le soir avant de se coucher. Ouais. Non, faut pas le dire ça. Non. Faut pas le dire parce que ça pourrait être. Je crois que ça pourrait être l'humour. Ah, l'humour, ça détend. Oui, c'est drôle, l'humour, ouais. D'accord. Bon, enfin, ça, c'est pas la peine de le dire, puisqu'ils vont le voir dans les images. Ça n'a aucun intérêt, même. Je ne vois même pas pourquoi on prend ce temps-là. Donc, on va finalement, on va dire bonne nuit à Daniel, si on va le dire. Ça, on peut le dire, ça, on peut le dire, parce qu'elle est là. Et qu'elle sait tout. Comment vous faites? Oui, d'accord. T'as mangé les cassoulets? Allez, bonne nuit, les garçons. Ouais, bonne nuit. Bonne nuit, Daniel. Bien, Daniel, bonne nuit. Bon, bah, demain matin, alors. Oh, tu peux me faire la bise, monsieur Razé. En pleine forme. Voilà, bonne ça nuit. Va. On se couche tôt. Viens, pour une fois, je vais voir si ça pique. Non. Je vais faire un test. Ah oui, t'as raison. Oui. Ça pique quand ça repousse, mais... Non, pas quand c'est trop. Elle est bien. Ah, elle est bien, la mienne, elle n'était pas bien. Mmh. Si, mais là, c'est... On dort bien, c'est là. Pas ça, hein. Ah, vous pouvez pas utiliser moins de trucs quand vous faites la cuisine. Et demain, on boit tous dans deux verres, on se le passe. On s'en fout, demain, on fait pas la vaisselle, tu vas voir. Moi, je prends une cuillère. Demain, j'utilise quatre verres, rien que pour moi. Bah non, moi, une fourchette par bouchée, moi. Élodie, tu l'as vu? Tu l'as vu? De quoi, ton cul? Non, Bi, t'es en train de dormir et tu me réveilles. Tais-toi donc. T'as pas honte? T'as pas honte? Demain je fais les valises et je te quitte. Toi? Moi je te quitterai vendredi, moi, tu verras. Tais-toi donc. Va te coucher. Tais-toi donc. Mais va te coucher. Mais tais-toi donc. Je vais le dire à maman, hein. Mais dis-lui. Je vais le dire à la belle doche, tu vas voir. Va le dire à Daniel. On a un sac ou pas? Je sais pas, mon bébé. Je vais. Bon. J'ai ça. Je peux le prendre? Non. Mais c'est moi qui prends dans ma main. Oh. Mais c'est tout ce que j'ai. S'il te plaît. Regarde ça. Elodie! Ta gueule! Chante! Oh putain, le carnage! Oh lui! C'est bien, tu l'as vu parquet en même temps. Oh putain, non! Là, t'exagères. Hein. Quel bordel! Merci! Oh putain, merci! T'as mis le réveil, Vincent? Tu as mis le réveil? Toi? Non. Toi, tu l'as pas mis? Non. Mette-le, mon chéri. Allume. À quelle heure? À 4h30, le temps de... Ouais, mes couilles! Éteins.
80 000. Ok, tu le mets. Si tu veux, on part maintenant à pied. Traditionnellement, mesdames, messieurs, il y a une coutume dans cette émission. C'est allô Visan, mais on le fait pas tout de suite, ça, si. Non, on n'a qu'à pas leur dire qu'on non, dit non, allô Visan. On va rejoindre Visan. Oui. Allez Visan, allô Visan. Mais non, d'abord, allô, allô. Ah oui, pardon, non, allô, 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 je dis n'importe quoi, pardon. Pas, tout de suite. Bien joué, heureusement qu'il est là, Patrice. Effectivement, allô, 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 je dis allô, tout simplement téléphoniquement. Dis allô. Répondez, allô monsieur. Oui, oui, Pascal, c'est ça, Pascal. Allô. Allô. Oui, mais il sait dire aussi un autre truc impeccable, il sait dire allô. Comment ça va, Pascal? Ben super. Bonsoir, vous êtes en direct de Côte-Bourg. Alors, racontez-nous un petit peu l'ambiance, comment c'est chaud? Ah, c'est fantastique, mais Vincent, il comprend rien, il me casse les couilles. Oh, dis donc, il faut parler gentiment, hein, Pascal. On va dire peut-être que de temps en temps, il vous énerverait un petit peu. Pourquoi il comprend rien à quoi? Eh bien, il me demande ce que c'est les oranges, ce que c'est les bleus, et je lui ai dit, ben voilà, il y en a qui vont, parce qu'ils entendent du bruit. Qui sont les oranges et qui sont les bleus? Ben, il va vite comprendre, hein. Ah ben ouais. Quand, ouais. Quand il va vous voir trépigner pour les bleus, il va vite comprendre qu'il faut être du côté de ce côté-là. Vous me le passez deux secondes, s'il vous plaît? Ouais, ouais, je vous remercie à tous et j'embrasse mes amis de Visan. C'est moi qui me suis occupé personnellement de tout ça, Pascal, faites-moi confiance. Merci. Je vous organise ça aux petits oignons, mon petit gars. Ciao Christophe et Patrick. Ciao Pascal, ciao. Et bon match. Tu vas bien? Je vais très bien, Vincent. Bon. Comment ça va? C'est pas mal, hein? C'est une vraie ruche d'abeilles, hein? Ça me rappelle, c'est le moment idéal pour faire du miel. Ça s'appelle un stade. Oui, ça s'appelle un stade, Vincent. Oui, je sais, ça, j'ai cru comprendre, même si Pascal s'est dit que je lui casse les couilles. Moi, ça fait un peu de vacances, et lui, il aime ça. T'inquiète pas. Mm-hmm. Mais c'est le moment idéal de se mécacher avec lui, c'est bien. J'ai pas, c'est pas vous n'avez pas exactement le même ton et la même voix que quand vous êtes à Visan, dedans? Ah ben écoute, parce qu'on est à liberté conditionnelle et on est en train de profiter. Okay. Et en plus, tout ici est gai et fabuleux. Vincent, attends une seconde, ne dis rien surtout. Non. Reste au téléphone mais ne dis rien. D'accord? Nous on va dire allô Visan. Okay. Allô Visan? Allô. Vous entendu au moins. Oui, ça va. Ouais. Salut. Salut. Comment vous avez entendu ce qu'on a dit avant ou quoi? Non, rien. Ah, jure-le-moi Elodie. On est coupé du monde, je te le jure, Christophe. Okay. Absolument, oui, rien. Vraiment. Alors, on n'a rien entendu. Comme on disait dans les PTT à l'époque, comme on disait, veuillez ne pas quitter un correspondant désire vous parler. Ah, non. Correspondant, allez-y, c'est à vous. Allô. Bonjour de Godborg. C'est Vincent. Bonjour. Ah, c'est mon ami. Il fait froid, mais c'est vraiment très bien. C'est un vrai ruche d'abeilles. Hein. C'est là, c'est le moment idéal. Ah ouais. On vous laisse, les gars, discuter entre vous. Hein? Comment ça va? Vous êtes arrivé quand? Ça se passe vraiment, vraiment très bien. Eh bien. Écoute, je comprends rien du tout, mais de toute façon, Pascal, c'est difficile de lui demander quoi. Vincent, à propos, Vincent, passe-leur Pascal un instant, s'il vous plaît. Oui. Qui parle? Voilà. Passe-leur Pascal un instant. Allô? Allô? Pascal! Oh! Ça va? Ouais, super! J'ai le maillot de balance sur moi. Impeccable, vous vous emmerdez pas. Impeccable. C'est toi. Si, pas trop. Bon bisous. C'est à quelle heure? On t'embrasse bien. On t'embrasse bien. Bon, ils ont gagné l'OM, enfin. Et allez l'OM, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce maillot, Sébastien? Sébastien, qu'est-ce que c'est que ce maillot? Ridicule. C'est le maillot de balance. Allez. Pourquoi vous avez ce maillot? Ben c'est pour penser à eux, ils sont voilà, et tout le monde va être pour eux. Ok, bonne soirée, amusez-vous bien, et on vous tiendra au courant, voilà. Au revoir les filles, on vous embrasse, Patrice et moi, nous allons nous quitter, mais ça n'est pas la peine qu'on vous dise que vous allez voir des images d'interview d'avant nomination, parce que ça aura lieu demain, les nominations, allez, vous donc vous le verrez demain, ça. C'est pas la peine qu'on se dise au revoir. Non, puis demain à 19h, c'est pas la peine déjà, ça, bon. C'est clair que là, la nomination, c'est devenu une roulette russe, parce qu'on n'est pas beaucoup et qu'on ne sait pas trop qui nommer. Je pense que cette fois, je vais y être. C'est évident. J'ai peur, en fait, pour une autre personne, en plus que j'aime beaucoup. Et ça me ferait vraiment mal au cœur de me retrouver face à cette personne. C'est Vincent. Parce que quand j'en parle, vous voyez, ça me fait monter un peu les... Là.